Bon, alors on en était où? Globalement. Donc j'avais fait les améliorations. Je vérifie juste si le son est ok, la vidéo aussi. Bon, pour le moment tout est ok. Ok, alors. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Ouais, je sais, je suis au courant. Je suis au courant. Je pense que je vais continuer un petit peu mon exploration. Ok, un petit peu de quoi explorer par ici. Défi mythique déplacement, c'est de faire ça. Marqueur rouge. Il y a ça à faire aussi. On va faire ça en premier. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a un coffre. Oula. J'avais été arrêté par une cinématique du poulet de la guerre. Le fameux poulet de la guerre. Le voilà le coffre. Oula. Salut Apo, comment ça va? Belle entrée en matière. Sourcil français. Sorcier de siffroncé. C'est impossible.
Il est tout en bas. Ah, ok. Ça, c'est fait. Phoenix se sentit toute petite auprès des deux géants. Des géants si grands qu'ils défiaient les dieux. Ils menaçaient d'écraser le mont Olympe sous une autre montagne. Mais bien sûr. Donc là, on est en pleine science-fiction. Ok, donc là, il y a deux choses. Il y a la lyre. Mais pas que. Là, il y a trois trucs à activer. Il doit correspondre chacun à un de ces terminaux. J'ai plus qu'à trouver comment les débloquer. D'accord. Et chose me dit qu'il faut que j'enflamme ce truc. Le deuxième est là-bas. Et de deux. Et le troisième, bah, il va se balader quelque part. Ah, il est derrière. Sentez bien qu'il était derrière la tête du titan. Pas du titan, du géant. Ça, c'est un titan. Mais... Vert, rose. Non, c'est bleu. Oula. Bleu, rose, vert, jaune, bleu, jaune. Vert, rose, bleu,
Rose, genre jaune. Le vert et le bleu, il est bon, hein. Bleu, rose, vert, jaune, bleu, jaune, bleu, rose, vert, jaune, bleu, jaune, vert, rose, bleu, non, si, vert, rose, bleu, jaune, vert, rose, bleu. Non, c'est vert. Non, c'est pas vert, c'est bleu. Je confonds tout le temps vert et bleu. Vraiment, ils se ressemblent, quoi. Ça, c'est bleu. Bleu, rose. Bleu, rose, vert, jaune. Bleu, jaune. C'est bleu, rose, vert, jaune. Bleu, jaune. Ok. J'ai du mal ce matin. J'ai du mal ce soir. C'est prendre le risque d'oublier, mais en même temps... Ah quoi que c'est un peu... Ah mais non, non, c'est pas haut. Je peux grimper par là. Coffre ici. Un pouvoir divin dont vous ne disposez pas encore est requis pour accéder au coffre. D'accord. Pas de dégâts à l'arc. Hein. Enfin, globalement, je suis pas visé non plus. Hey, salut Momo. Oh, je vais dire Momo, parce que ça me perturbe de dire tes alefs. L'autre Momo du stream n'est pas là. J'ai vu ton message, mais j'avais plus de batterie. Ton téléphone est en train de recharger. J'étais en train de te répondre quand il s'est éteint. Il me restait genre une batterie, 1% de batterie. Comment ça va? Bon donc du coup ce coffre là j'ai pas le droit de le prendre, hein, si j'ai bien compris. Tranquille et toi? Ouais, ça va, ça va.
Je reprends un peu le stream parce que ça me manque un peu. Ça me manque un peu, ça me fait une activité. J'aime bien faire et tout. Donc globalement ça va. Hey, salut Reine de Coeur, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Ok, est-ce que je vais me souvenir? Yes. Bon, je suis pas encore assez vieux. Ma mémoire est encore pas trop défaillante. Hey, salut Lilouchou, comment vas-tu? Ah oui, il y a ça à faire. Je vais enlever cette marque là parce que je peux pas la faire maintenant. Une autre là. Que passer, je vous laisse mon live tantôt peut-être. Ok, ça marche. Ça marche, Reine de Coeur. Parce quand tu veux, comme d'hab. Aussi. Avec plaisir. Oula, mais dis donc, y aurait pas du monde par ici? Apparaît ça. Hey, il sort ce... Sors ça d'où quoi. Bim. Ça a l'air mieux ta voix. Ouais, ça va un peu mieux. Tout à fait. Je confirme.
De justesse. J'ai de la compassion pour Sisyphe. Comme moi, tu l'as condamné à rester enchaîné pour l'éternité. Moi, j'aime bien les chaînes. Et il serait toujours prisonnier s'il n'avait pas tenté de faire le vieux coup de l'échange et d'enchaîner la mort. À ça, il n'y a qu'Arès pour ne pas remarquer que sa proie n'est pas morte. Mais bon, il a libéré Thanatos et moi, j'ai condamné Sisyphe à avoir pour seule compagnie éternelle un rocher. Mythe de Sisyphe, c'est connu ça. Il semble que c'est celui qui est condamné à monter un rocher en haut d'une montagne pour redescendre sans arrêt, je crois. Si je ne me trompe pas. Bon, il y a globalement un truc à faire ici. C'est sûr et certain. Ce sont les dieux qui ont détruit ce monde. Ah, je vais avoir de la compagnie. Qui fait le reconstruire. Héraclès. Viens ici prendre ta raclée. Sérieux? Bon ça, je n'ai perdu qu'une seule potion sur lui. Je suis fier de toi. Ta lame et mon pouvoir peuvent rebâtir ce monde. Je t'attends. Bon, il y a forcément un moyen de rentrer là-dedans. Même si je vois une représentation de Sisyphe et son rocher. Zéro en héros. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Trop bien cette chanson. C'est la meilleure chanson du film, quoi. De grimper un peu pour voir. Y a pas un accès au-dessus ou une connerie comme ça. Gosh, me coucher à 15h, c'est pas terrible, salutations. Bah bravo. C'est ça de faire des streams de plus de 10h en terminant à plus de midi. Forcément. Salut Wolfie. Ah non, c'est nul ce que je viens de faire, c'est nul. Nul. Zéro. Zéro pointé. Inutile. Comment on fait pour rentrer là-dedans?
pas si tu connais le jeu, Momo. C'est un des derniers de chez Ubisoft. Sorti juste à la fin de l'année. Ils ont sorti trois jeux notables. Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et puis celui-ci. Qui, ma foi, est très bien. C'est un Breath of the Wild-like. C'est pas facile à dire. C'est assez cool. J'ai regardé un peu, ouais. Ok. J'avoue que je voulais vraiment finir de dessiner. Et le pire, c'est que je viens de penser qu'il me faut la modifier un peu. Faire sa version alternative. Ah, forcément. Il y a le ouf là qui m'emmerde un peu. Voilà. Bim. Voilà. Ma foi. Pas trop mal réglé cette histoire. Direction de Tartare. Hop là. Du coup, Wolfie, tu stream, mais du stream dessin, du coup, si je comprends bien cette nuit. Je sens que ça va pas me plaire. Oui, c'est bon, ça va. Oh, des ennemis. Ok. Ah merde. Bim. J'ai aussi envie de continuer en SF. Ah, ok. Ah, du coup, il y aura peut-être pas de stream. Il y aura peut-être du stream Picarto, quoi. Autre chose à faire. Le coffre est au milieu. Ma motivation dans quelques heures. Ok, ça marche.
J'ai aucune idée par où passer. Ou partir par là pour voir. Mauvaise idée. Ça va, tu me laisses temps d'arriver quoi. Bon, si je peux faire ça, hein. Voilà. Ça veut dire que je peux sauter là. Mais je fais comment pour revenir? C'est bon. Quoique ça m'avance pas des masses en réalité. Ah, c'est un véritable piège. Le point de je peux même pas sauter dans le vide et revenir. Le point de réapparition, il est là-bas. C'est vrai que ça... après un dash, il faut redéployer tes ailes, même si elles sont déjà déployées. Sinon... bon bah... aussi simple que ça. Combat. Pas combat. J'aurais cru combat. Combat. J'aurais alors. Charger ça. Ah, ça fait plaisir d'être aussi efficace quoi. Je peux pas dire le contraire. Et du coup que je vienne... Il y a un intérêt de venir de là-bas? Là j'ai eu le coffre. Je récupère la deuxième partie du pilier ici. Je pense que ça va provoquer un deuxième combat. Je gère tranquille. Ouais là ça va, ça va. Ça fait plaisir, j'ai l'impression de progresser du coup. La deuxième combat. Même pas.
Mais à quoi ça sert? Je suis un petit peu étonné. M'a paru un peu simple. Hein. À moi l'éclair. Non, non, c'est bon, j'avais fini. Bon, bah c'était rondement mené, c'est bien. Pec. Alors, celui-ci, je peux pas le faire. Ça répond pas à ma question. Comment je fais pour... entrer là-dedans? Forcément une entrée. Peut-être pas assez... Oh, tain, c'était juste là devant moi. Enfin, je crois. Atteste. Un rocher, une connerie comme ça. Pour être sûr. Je crois qu'il y a un bout de mur destructible à l'intérieur. Ah mais attends, alors est-ce que je peux me servir de mon clone de pierre comme projectile? Parce que alors, si c'est le cas, ça va être trop bien. Par exemple là, je fais ça. Tac, je prends, j'y balance. Oui, incroyable, j'ai plus besoin de chercher des pierres. Meilleur pouvoir du jeu quoi. Quel est l'intérêt? Que pour ramasser des grenades? Ok. Sympa effectivement. Ouais, ouais franchement ça c'est cool par contre. Et ça sert aussi de poids. Tu peux t'en servir pour avoir du poids supplémentaire sur une... les plateformes à pression. C'est donc un très bon pouvoir. Pourquoi c'est dans le sol? C'est vrai que toute la forteresse là, elle est entourée d'un... de ces champs là qui m'empêchent de... utiliser mon énergie.
Ouais, je comprends pas. Ouais, j'ai zéro énergie, je peux pas grimper par là. Ah là, j'ai eu de la chance quoi. Ah merde. Forcément quoi. Ah mais je suis dans la mouise en fait là. Il y a un petit endroit où je peux reprendre un petit peu de... Voilà. Bon, quelque chose me dit que je vais pas pouvoir récupérer ces coffres maintenant. Je peux me diriger vers celui-ci. Un peu plus facile à attraper pour le moment. Phoenix découvrit alors la grande forteresse d'Arès, absolument terrifiante. Quand t'apprends qu'elle appartient à un poulet, ça fait tout de suite moins peur. Je m'étonne. Je redémarre juste mon chatbot parce qu'il plante mais genre littéralement. Effectivement, c'est un chemin qui marche pas très bien, mais c'est pas grave. Comment ? Twitch qui déconne ? Non, Twitch déconne jamais. Jamais. Impossible. On n'a jamais vu ça. Ça ne déconne jamais Twitch, c'est impossible. Sourcils sont français maintenant. Je n'ai jamais vu des sourcils aussi français, c'est impossible. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je l'ai jamais affronté. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a pas que ça, ils sont pleins. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Alors lui il m'a légèrement manqué de respect. Ah
Tiens. Oh, saloperie. J'aurais m'a dashé en plein dans les airs, quoi. Oh non, c'est sérieux? Mais... Oh, les Cerbères, je les aime pas. À peine. J'ai pas... J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Ah, Twitch! Ah, Twitch qui bug! Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Je peux pas te laisser dire ça, Lilouchou, c'est faux. Ne sois pas mauvaise langue. Twitch fonctionne toujours parfaitement bien. On se descend du coude. Ça, c'est comme ça qu'on ouvre un coffre. Alors là, depuis, pour moi, pour les statistiques Twitch à l'heure actuelle, il y a une personne qui regarde. Voilà, voilà. Deux. Et le deuxième, c'est un bot, en fait. Voilà, voilà. Mais sinon, Twitch, ça marche bien. Y'a pas de soucis. Je vois 7 ici. Ah bah, on a pas le même chiffre, c'est beau. D'accord. De toute façon, vous êtes pas deux, vous êtes déjà plus de deux à écrire. Mais là, même dans la liste des utilisateurs, si je vais regarder, vous êtes, y a personne en fait. J'arrive ou c'est un griffon? Et... Des bestioles que je connais pas trop. C'est moche! T'es moche et t'es mort. Voilà. Salut. Oula, mais c'est quoi ce pigeon qui balance des tornades là? Là le pigeon. Merci. Alors visiblement le pigeon a décidé de m'aider. Défonce ses potes avec sa tornade. Ok, donc le pigeon peut dasher. Je pense que je fais 0 dégâts avec la flèche. Ouais, c'est à peu près l'idée. Pigeon versus pigeon. Voilà. Si quelqu'un d'autre écrit, je le vois pas dans le chat. Oui, bizarre. Genre l'aile du chou, il a écrit bizarre. T'as pas vu écrit bizarre. Oui, peut-être. Oh, tu sais plus rien m'étonner avec Twitch.
plus rien ne m'étonne. Hop, dans le tartare. Mais attends, il y a un truc que je comprends. Tout à l'heure j'avais un total de 20 abonnés. Maintenant j'en ai 21. J'ai eu aucune alerte. Rien dans mon fil d'actualité. Mais what quoi? J'ai F5 dans le doute, j'ai plus rien pour le moment. Non mais c'est... On est d'accord. Ah mais Twitch quoi. Ben, je sais pas. Donc quelqu'un s'est resub. Ou c'est sub, j'en sais rien. Je viens d'avoir un abonné supplémentaire. Ou un abonné qui s'est réabonné, j'en sais rien. Et Twitch me dit rien. J'ai pas d'alerte. J'ai rien dans le fil d'actualité. En même temps, s'il fait F5. Là, Lilouchou, il vient d'écrire un truc, Wolfie. Oh, y a, de toute façon, plus rien m'étonne avec Twitch. De toute façon, il se passe pas une semaine sans que ça déconne plein pot quelque part. Ah, c'est bon. Ah bah voilà, c'est revenu. Nimp. Mais j'ai... Eh ben, personne qui s'est resub ou qui s'est sub, c'est quand même en plus important, donc ça, je suis désolé, je ne sais même pas qui tu es. Visiblement, Twitch a décidé de faire un gros doigt et je ne sais pas qui tu es. Ouais. Mais tout à l'heure j'avais 20 abonnés, même j'en ai 21, je sais pas d'où ça sort. C'est peut-être Tazelov qui a utilisé un Prime, j'en sais rien. Mais... Vilaine Lilouchou. Mais j'ai eu aucune alerte, j'ai rien quoi. Est-ce que Tazelov est toujours là? Est-ce que c'est toi? J'invite la personne qui s'est sub ou resub à... Si, je crois que c'est Tazelov en plus. Parce que quand il m'a dit bonjour au tout début de la... Alors après ça veut rien dire parce que des fois je crois que l'icône abonné... Le badge abonné il a tendance à se barrer des fois alors que t'es abonné mais il s'affiche pas tout le temps. Mais quand il m'a dit bonjour il l'avait pas et un peu plus bas il l'avait. Mais j'ai eu aucune alerte quoi. Rien du tout. Putain. Ah Twitch. Et c'est quand même hallucinant hein. Passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas 2-3 jours où c'est complètement pété quoi. Soit c'est les alertes, soit c'est le web, soit c'est les diffusions, soit c'est... Il n'y a rien qui marche sur cette plateforme, c'est incroyable quoi. Je sais pas comment ils font. Hein. Une arène. Ah, si c'est toi Momo, je merci. Merci beaucoup pour ton resub. Dans le vide. Oh non, je l'ai poussé trop loin. J'ai tellement la tristesse. Je voulais te faire tomber dans le vide, je me suis dit ça va être trop bien. Et c'est moi qui vais tomber. Tu sors d'où T'es de bire là. Attends. Retourner dans la forêt, merci. Non, je vais l'énerver un petit peu là. Voilà. En train de l'énerver un petit peu. Oula! Je m'attendais pas à ça. Et effectivement. La manière de Twitch de nous souhaiter une bonne année. Ah bah il commence fort. Hein. Il commence très fort quoi. Ah y'en a encore un.
Ah, ça s'en recharge. Raté. C'est raté. Ah mais vous sortez d'où? Il y a des Pumbas là. Des Pumbas Ramus. Et les sas... Il y a des Pumbas et ça c'est Simba quoi. C'est bon? Ah mais c'est interminable en vrai. Moi aussi je peux dasher hein. Voilà. Aïe. Oh, dans le vide. Oh non, cette blague. Oh, ça était tellement classe. Je suis sûr qu'il y a un succès pour lui faire tomber dans le vide. Sans la charge. Ah. Je l'ai pas vu venir celle-là. Oh, cette parade, je l'ai sorti du turf celle-là quand même. C'est bon? Non, c'est toujours pas bon, putain la vache. Infernal quoi. Eh non. Je crois que c'est la reine avec le plus d'ennemis que j'ai fait pour le moment. Je m'en suis globalement pas trop mal sorti, j'ai quand même utilisé de la popo. Je vais faire le combat bonus pour avoir le coffre. Oulala. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est l'attaque des poules. Mais... il y a des poules partout. Mourez. C'est des pigeons alternatifs. Des pigeons poulets. Oh, cette parade parfaite sur poulet. C'était quoi ce combat quoi? C'était n'importe quoi. À la hauteur du poulet légendaire quoi. Il est. Oh, il est 22h52. Putain, j'ai l'impression qu'il était plus tard que ça. Attends, il est hors de question que je reste aussi tardivement qu'hier. Vu comme j'étais claqué aujourd'hui. Ok, une bonne chose de faite. Vous serez jusqu'à 5h normal. Mais non, justement, non. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien.
pense que je m'y ferai très bien. Du coup, je répondrai à cela vivement la retraite. Hein. Retraite qu'on n'aura probablement pas. Il faut que je gagne à l'euro million ou un truc comme ça, tu vois. Je pourrais stream jusqu'à 5 heures sans problème. Sans me dire, sans m'inquiéter de ce que je fais le lendemain. C'est absolument pas ce que je voulais. Oh, ça les attire, c'est incroyable, ça sert de leurre. Tiens, il s'est marré comme un débile. Sang que tu fais moins ton malin. Bonjour. Bonjour. Pas de... J'ai fait un de ces enchaînements, me demandez pas de le refaire, j'en serais pas capable. Je sais même pas comment j'ai fait. Je me dis que ça va être chiant. Je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que ça va être chiant. Voilà. Je sais pas si c'est prévu pour faire comme ça. Mais au moins, ça marche. Attends, il faut reprendre le... Est-ce qu'il faut pas reprendre le premier ? Quelque chose me dit qu'il faut reprendre le premier. Non ? Peut-être pas. Salut les kids, je suis Maud du Bélier, et malgré mon caractère design, je suis un homme. Salut Momo, comment vas-tu? À mon avis, j'ai fait de la merde.
Formez-toi. Oh ouais, 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 ça va, ça va. Ça va pas mal, écoute. Hein. Je suis pas sûr à 100% de ce que je suis en train de faire quand même. Globalement. C'est bon. Ce soir, je peux faire une insomnie, c'est pas grave. Ah, tu bosses pas demain. Bah, t'as bien mérité de te reposer. Une bonne nouvelle. Et bah, moi pareil, hein. J'aimerais bien faire des insomnies. Que ce soit pas grave. Mais c'est pas possible. Du coup, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt. Quand même. Je vois plusieurs personnes qui sont abonnées, qui habituellement, c'est à cause de Dex, il a offert des abonnements à tout le monde. Tu vois, ça me surprend de voir des, de voir pas mal de gens abonnés sur ma chaîne. Les deux jeux frappent. Celui-ci en premier, comme ça je renchaîne direct. Oh mais ça va. Wouah. Oh mais ça va aller quoi. Tiens. Fois 2. Oh, je viens de découvrir un truc de fou. Incroyable. On peut. Mais c'est trop bien. Mais ma vie vient de changer. Voilà, il faudrait globalement que j'arrête de faire n'importe quoi parce que je suis en train de perdre voilà, toute ma vie, toutes mes potions.
Mais on peut s'agripper aux ennemis pour aller vers eux en fait. Genre comme ça. Mais c'est un truc... Mais ça change tout. Mais il faut prévenir le monde. Et quoi, c'est hyper chiant de les rejoindre. Ou des fois, quand ils... surtout pour les combats aériens, c'est hyper galère d'aller frapper les piafs là. Mais avec ça, c'est incroyable. Ma vision du monde vient de changer. Sympa comme mécanique. Ça me fait penser à... Ça me fait penser au grab que t'avais dans le reboot de Devil May Cry. Pas le 4 ni le 5, le reboot, celui qu'il y a eu entre les deux. Il y a une mécanique comme ça où tu venais, tu chopais, puis tu te rapprochais. Tu pouvais choper les espèces de harpies de cette façon. J'ai même pas fait exprès quoi. Le mec trouve une mécanique de jeu en combat quasi essentielle pour faire des combats. Pour tout, surtout pour le combat aérien. Et ce, après 30 heures de jeu quoi. Je me fatigue un peu des fois quand même. Hein. J'ai tendance un peu à me fatiguer. On parle d'une mécanique de jeu qui est vraiment vraiment importante quoi. Je trouvais justement que les combats aériens étaient un peu chiants et un peu trop galère, surtout par le fait qu'ils ont tendance à dasher et s'éloigner. En fait avec ça, ça règle tous tes problèmes quoi. Vaut mieux maintenant qu'à la fin du jeu. C'est pas faux. C'est pas faux parce que j'en serais aussi capable. Un coffre lunaire. Cette mécanique là par contre elle est frustrante parce que... Allez parce que c'est chiant. J'ai l'impression que des fois je passe ma vie à essayer de chercher... à la souris parce que sinon on va jamais y arriver. Deux trois trucs. Allez, coffre lunaire, c'est parti.
Mais calmez-vous en fait. Aïe. Aïe fois 50. Oula. Là par exemple, tu peux t'éloigner, il explose, je reviens super vite quoi. Avant c'était chiant. Bon là j'ai combattu comme une grosse voilà, mais globalement c'est utile. C'est juste moi que je suis nul, c'est tout. À moi le coffre. Oui, il y a plein de trucs dedans, trop bien. Encore des ennemis. Mais je vais éviter celui-là. Ah ouh. Aïe. Oh, pourquoi j'ai essayé de parer ça? Ah mais ça va aller là. Enfin je vais m'occuper de lui parce que lui il est vraiment casse-pied quoi. Son marteau de merde là clairement. Putain dégage. Voilà. Ah, j'ai vraiment mal combattu là. Un peu la cata quand même. Hein.
tu as peut-être reconnu, ceci est consacré à Cycnos, le cruel fils d'Arès. Pleurnichard de Cycnos, il s'est fait battre par Héraclès et depuis, Arès est furieux parce que j'ai refusé qu'on organise une revanche. Et Cycnos en est devenu vindicatif. Il a pris la sale habitude d'ériger des temples à l'aide des ossements d'innocents voyageurs. Bon, faut tous avoir un passe-temps. Par contre, je suis étonné que la vision me donne pas d'informations en fait ici. Aïe. Attends. Yeah. Ça sert à quoi ce que j'ai fait là? C'est pour récupérer ça? Ouvrir la statue, oui, il y a les 4 points. Oh, ok. Donc 1. 2 là-bas. Faut peut-être le rocher finalement. Enfin le cube. Généralement quand il me faut des trucs comme ça et qu'il faut que je les lance, ça se passe jamais globalement vraiment bien. Ah! Eh ben. Voilà. Ça passe. Si c'est ce qu'il fallait faire, mais ça passe. Je vais reprendre mon cube, parce qu'il est bien pratique. Et que j'en aurais peut-être encore besoin. Ah non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais faire. Pas ce que je voulais faire non plus. Non mais. Voilà, merci. C'est quoi ce saut que j'ai fait? c'est globalement assez chiant quand même.
Aïe. Ouais, ça fait mal, ouais. Essayons comme ça. Commencer. Voilà. Pas si je vais avoir besoin des... Bon, peut-être pas des trois, mais je ne prendrai aucun ou. Au moins un. C'est facile ça. Il y a une lyre. Facile. Bleu, vert, rose, 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 jaune. Ok. Bleu, vert, rose, bleu, rose, jaune. Très bien, très bien. Bleu,
vert, rose, bleu, rose, jaune. J'ai oublié de prendre à boire. Je reviens. Me revoilà.
Et où le premier Oui, c'est vrai qu'il y a ça à faire. Des griffons en bas. Oh, il fait mal. Il fait carrément mal. Oh. Alerte chat. Rendecker, comment ça va? Excuses. Il y en a une qui voulait des caresses. Petit chat avait besoin de caresses. Fatigué, mais ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Oh, c'est la vie, hein. Ma vie vient de changer. Yo Calast, comment ça va? Dans ce monde de dieux et de monstres, Phoenix ne devait pas seulement être sage et forte, mais aussi rapide. Bonne chance, la lenteur des mortels est aussi légendaire que l'ivrognerie de Dionysos. Sauf lorsqu'ils sont à cheval. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un cheval là. C'est que j'ai pas vraiment trop amélioré mes chevaux. Hey, salut Shidoshi, comment ça va? Vous ici à cette heure tardive. Oh, c'est absolument pas. Alors, non, ça c'est une connerie. Pardon, il y a le chat qui est en train de monter sur le bureau, ça sentait la connerie à plein nez.
toute petite seconde, je reviens. Mes excuses. Elle a quoi pixel. Elle essaye de monter sur le bureau, faire des bêtises. Elle a récemment eu un nouveau jouet qui bouge quand tu tapes dedans. Et du coup, je suis en train de le recharger sur ma tour. Donc là, elle est venue se mettre sur l'arbre à chat à côté de moi. Le nouveau que j'ai mis dans le bureau. Donc elle était tranquillement en train de s'installer et d'un seul coup elle a vu son jouet sur la tour en train de recharger. Et ça dit wow, je le veux maintenant. Sauf que voilà, c'était pas le moment quoi. Elle se calme. Hein. Ah bah tu sais, elle a vu son jouet, elle s'est dit je veux mon jouet. Voilà, c'est tout. Spectrale, ouais, non, mais non, en fait, c'est absolument pas le moment. Yes, j'ai réussi. Alors, je crois que j'ai un petit souci. Décidément, je suis désolé, mais c'est... J'ai plus de batterie dans ma manette. Entre, je vais chercher à boire, entre Pixel qui fout le bordel pour récupérer son jeu, et moi qui ai plus de batterie dans ma manette, c'est le stream de la pause, en fait. Bon, je reviens, je vais changer les piles. Je lui enlève pour recharger. En fait, c'est un poisson. Alors, c'est con, il n'y a pas la Kitty Cam, justement, encore, mais... C'est un poisson. Quand tu tapes dedans, il fait... Genre, tu sais, il bouge dans tous les sens. Mais il y a une batterie dedans. Et elle joue tellement avec qu'elle défonce la batterie en une journée, en fait. Donc, je suis obligé de recharger le poisson, tu vois. J'ai pas le choix. Du coup, comme il est en train de recharger en USB sur ma tour, quand elle l'a vu, elle le voulait absolument. C'est pour ça que je lui ai enlevé. Bon, mes excuses. Je vais y arriver. Bon, alors. Mais Varese, vous ici. Oui, ça c'est sûr. Petite soirée au calme avec les What the Cut 1 à 16, c'était bien. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je viens de croire.
Elle peut pas jouer comme toi sur le bureau aussi. Parce que sinon elle casse tout en fait. C'est le problème. Elle va grimper sur les étagères et elle va faire tomber tout ce qu'il y a dessus. Vu que c'est une vraie boulette. Deux pièces. Oh les radins. Deux pièces. Mais... Bon, il est où Jean-Michel? Jean-Michel Héraclès. Il doit être quelque part par là normalement. C'est le type de chat mesquin. Que quand on pose quelque chose en hauteur, il le fait tomber exprès. Alors, exprès, je sais pas. Mais ouais, il y a un peu de ça. Là. Zone spectrale. Le spectre d'Héraclès vous traque. Ouais. Mais alors, Pumba, tu veux te calmer. Ensuite, Héraclès, tu viens là et je vais tout te racler. Salut! Oh! Mais ça va aller? Mais ça va aller? Attends. Viens te battre ici là parce que battre là-bas c'est de la merde. Je te manque de respect, voilà. Mais depuis quand sa zone elle est trois fois plus élevée? Dernier coup, j'ai beaucoup de mal à le... Et ça, il le faisait pas, hein. Le deuxième petit coup, là, qui... Ah, ça, il le faisait. Le deuxième petit coup, là, avec un petit peu de... Et ça, je l'avais paré, hein. Ça, je l'avais paré également. Mais je l'ai paré. Putain, c'est fou quoi. Ah, il a quoi là? Je le reconnais pas quoi. Putain, va mourir. Voilà. J'ai 40 potions sur lui. Depuis quand les parades ne marchent plus quoi? Je vois l'animation de parade, elle est réussie. J'entends le bruit de la parade réussie. Mais je chute quand même quoi. C'est une bonne nuit, ça marche Reine de Cœur, merci, merci à toi. Bonne nuit, repose-toi bien, merci d'être passé. Héraclès c'est une montée en level, j'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que je suis dans une zone où c'est un peu plus galère? Je sais pas. J'ai pas reconnu honnêtement.
Costaud le... Le gars, quoi. Donc Héraclès commence à être costaud, ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Si je dois bouffer 70 potions à chaque fois qu'il m'attaque, j'ai intérêt à farmer sévère. En plus de sa première AOE, quand il balance son attaque, son dernier coup de massue, il fait une AOE derrière qu'il faisait pas tout à l'heure. C'est quand même intéressant à savoir. Ah, le retour de Pixel. Tendance à regarder ma tour de façon un peu trop insistante. Et je crois lire dans son regard, je monterai bien là-haut. Ouais, ouais, carrément, ouais. Non, tu montes pas. Voilà, elle s'est couchée. Alors... pour partir de proche. Non, non, y a rien. C'est vraiment des merdes de toi, quoi. Hmm.
Déjà, il y a un coffre là.